Quoi? De l'acide? Oh, mais où est-ce que je suis? Oh, et moi qui me plains parfois d'avoir des aigreurs d'estomac. Ouais, d'une double hélice parfaite. J'ai perdu ma ficelle. C'est le foie. On peut dire que j'ai fait un sacré détour. Bon, c'est pas grave. Ceci veut dire qu'en dessous, il y a le canal biliaire. Donc, je vais pouvoir emprunter un autre itinéraire. Et voilà, il va falloir que je sois très précis maintenant. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dans le mille. Est-ce que ceci fait partie de l'exposition? Non, sauvez-vous, allez-vous-en, ne restez pas ici. Dépêche-toi, Ben. Je crois pouvoir dire de façon scientifique que cet endroit est franchement répugnant et que les sucs gastriques de cet estomac font fondre ce lingot. Ah oui, c'est exactement ça. Une fois que Slurp, la créature, aura fait fondre l'or dans son estomac, il sera encore plus facile pour moi de tout emporter. Bonjour, ravi de te revoir, Tennyson. Docteur Animaux, mais qu'est-ce que tu fais ici? Ah, mais enfin, je viens de te le dire. Je croyais que cet alien était censé être le plus intelligent. Hé hey! Ben, vite, je suis là. Viens m'aider. Ne t'en fais pas, j'arrive tout de suite. Une mission de sauvetage? C'est tout simplement lamentable. Mangez. On s'en sort pas trop mal. Oh, il a enfin arrêté de bouger. Un estomac entièrement rempli d'or, exactement comme je le lui ai enseigné. C'est bien, mon petit. Aïe, aïe. Oh, c'est moi ou la température a augmenté? On aura encore plus chaud si ce jus d'estomac finit par nous atteindre. Oh non, pitié, ça ne va pas recommencer. Quoi? Mais que s'est-il passé? Il s'est mis à plat ventre, donc on va pouvoir sortir par son œsophage. Super. Manger. Oui, et tu pourras en avoir à condition que tu fasses exactement ce que je te dis. On a vraiment le temps de construire ça? Bien sûr, et par la même occasion, on va emmener tous ces lingots d'or avec nous. Encore? Tu ne veux pas avoir une autre crise de foie? Du calme. Voilà, c'est bien. Gilly, Gilly, Gilly! Tu n'as rien trouvé de plus ingénieux comme stratégie pour prendre la fuite? T'es sûr que ça va fonctionner, Ben? Il fallait vraiment que ça ait la forme d'une fusée? D'abord, il faut faire confiance au réflexe vomitif. Et ensuite, oui, bien sûr qu'il le fallait. Tiens bon, accroche-toi! Hein? Maintenant que grand-père est en sécurité, il est temps de neutraliser cette créature à la mode du tétin gris. J'y suis presque. Le tétin gris est un maître kung-fu? Non. Un maître en biologie. Je suis trop intelligent. Je suis toujours coincé là-dedans. J'ignore comment on va démonter cette chose. Cette fusée en or est à moi. Le docteur Animaux? Eh ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait ici d'abord? Oh, peu importe. Oh non, attends, non, ne fais pas ça.